Ax-les-Thermes, en Ariège, septembre 2018. Ax-les-Thermes, dans une résidence 4 étoiles à 1400 mètres d'altitude sur le plateau de Bonascre avec vue panoramique à 360 degrés. Conduit par l'experte Tania au volant et la charmante Camille, notre accompagnatrice, nous abordons la riante vallée d'Orlu, réserve nationale, jusqu'au parc animalier dédié aux loups. Puis nous grimpons au-dessus de l'Uzenac jusqu'à la plus grande carrière au monde de Talc, carrière à ciel ouvert de Trimousse, à près de 1800 mètres d'altitude. Site impressionnant et grandiose. Puis à 60 mètres sous terre, la rivière souterraine de la Bouiche nous offre le parcours sur l'eau le plus long d'Europe. Nous découvrons une multitude de concrétions, mais aussi des habitants discrets près de la cascade Salette, les Euproctes, survivants du début du Quaternaire. Puis, les forges de Pyrène, où les métiers et les outils d'autrefois reprennent une place de choix, et comme nous sommes heureux de nous asseoir en salle de classe, style 1950, et utiliser la plume sergent-major. Une journée au parc de la préhistoire à Tarascon-sur-Ariège où nous découvrons la vie à Cro-Magnon. Nous sommes tous ébahis, comme il y a 14 000 ans. Puis, direction l'Andorre, le nouveau sanctuaire de Méricxelles, œuvre de l'architecte Ricardo Bofill. Retour par les boutiques au pas de la case. Nous ne pouvions quitter Ax sans tremper nos pieds dans les eaux chaudes sulfurées des bassins publics. Ginette, Yves-Marie et Pierre, des responsables régionaux, sont venus nous saluer. Pendant toute cette semaine, nous avons apprécié la disponibilité de notre charmante Camille. Yves organisa un concours de belote qui mobilisa une vingtaine de joueurs et tous furent récompensés. Des animations sont proposées chaque soir. Tout a une fin, les bons moments passent trop vite et nous rentrons au bercail, joyeux, heureux d'avoir passé cette semaine en aimable compagnie au sein d'un groupe sympathique et joyeux. Et tous en cœur, nous pouvons chanter, comme Véronique dans l'opérette éponyme, « Nous avons fait un beau voyage, nous avons fait un beau voyage ».